Eh bien, yo tout le monde, c'est Galaxine et on se retrouve pour Yugi. Non, c'est Pokémon. Attendez. Everybody fucking jump. Eh bien, yo tout le monde, c'est Galaxine et on se retrouve pour Pokémon Soleil Unlock Challenge. Voilà, hein. Pas de Yu-Gi-Oh. Bien, alors, la dernière fois, c'était... On avait fini le Pokémon dominant, on a fini toutes les épreuves de l'île. Maintenant, on va blablater malheureusement avec avec le professeur, tout ça. En avant, Doudou, et des attaques trompettes. Piou, c'est quoi trompette? J'en connais pas moi. J'essaie de me mettre dans la peau de Cid. Non, évite. Sérieux, non. Mon pauvre Doudou, tu as tellement souffert à cause des humains. Je comprends que tu ne puisses plus faire confiance à un dresseur, mais je t'assure que Tilly et Cid sont différents. Ouais, on a une bite. Un quoi. Ils s'efforcent à bâtir un avenir meilleur. Je les admire beaucoup. Piou. Alors, on parlait sur moi, hein? Hein? Ah, 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 quoi? Quoi? Ah, oh le... vous avez vu, il y avait un espion tout à l'heure, il y avait un... avec la cravate là. Il était pas là tout à l'heure, lui. Hein. Ah, Lola, Cid, ça faisait longtemps. Ici, c'est le centre de recherche interdimensionnel. Le professeur nous attend à l'intérieur. Ah, en fait, où en es-tu dans ton tour des îles? J'ai cru comprendre que tu y avais trois épreuves à quel âge. Ça doit être rudement fatigant de toutes les passer. Non, c'était facile. Enfin, voilà, c'est la vraie quand même, les trois c'était assez facile. Tant mieux, attends. Tu veux dire que tu as déjà terminé les trois épreuves d'Akala? Voilà pourquoi ton Persian et toi avaient l'air aussi ravis. Ah oui, parce que j'ai mis Persian en première position. Il a rien fait dans les trois, mais c'est pas grave. Ces aventures vous ont rapproché, ça se voit. Allez, voilà. Donc là, je vous préviens, ça va blablater, hein. Je sais pas si je vais tout lire. On va prendre l'ascenseur. Ah, j'aimerais aussi avoir un ascenseur stylé comme dans le deuxième étage. Ouais. Restez ici, non, on va rester dans l'ascenseur, on est bien. J'aimerais bien avoir un ascenseur aussi stylé dans mon appart là. Coucou ma chérie d'amour, comment. Ah, c'est vrai qu'il a une meuf. Ah, j'ai oublié. En attendant, en train de draguer ma mère, voilà, j'oublie qu'il a une meuf. Tiens, te revoilà toi. Je présente la professeure Pimpernel. C'est la chef du labo du CRI. Rien que ça. Et c'est aussi ma petite femme chérie. Tes sites, c'est ça, enchanté. Lily m'a beaucoup parlé de toi. T'es vraiment un dresseur sur qui on peut compter, si j'ai bien suivi. Ah, tu te demandes peut-être comment je connais Lily. Je suis tombé sur elle alors que je me promenais sur la plage, comme ça, au calme. C'était il y a 3 ans. La pauvre, elle s'était évanouie de fatigue, tout comme Cosmog, qui était caché dans son sac. Tiens, Tilly n'est pas avec vous aujourd'hui? Ah bah tu sais, Tilly, il vit sa vie dans son coin, il n'a pas besoin de nous. Hein. Mais on semble déjà qu'il ira loin. Il finira doyen, comme son papé. Sérieux? Vous pensez comme ça? Trop bien! Waouh, tu m'as fait peur, toi. Mais ouais, il ira loin, mon gars. Salut, Tilly. Ça faisait un bail, je vois que tu as dans la forme. Dis chérie, tu pourras faire un topo acide sur l'échange phénomène de Lola. Oh, on s'en fout en vrai. Ultra brèche, oui, l'ultra brèche, voilà, des Pokémon d'une autre dimension qui vont nous attaquer. Super génial, une méduse, un insecte super costaud, un insecte super féminin qui fait que craguer. Enfin voilà, des Pokémon d'autre dimension. Voilà. En gros, il y a une autre dimension avec des Pokémon, comme Giratina. Oh. Spoil. Voilà, vous connaissez en vrai normalement un Pokémon Soleil. À ce stade-là, on est en 2017 quand même, hein, si vous connaissez pas. Donc là, il faut que je parle à des gens, je crois. J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les Pokémon et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo. Ouais, je crois que ça... Là, je crois qu'il parle de Giratina, justement. Je parlais de Giratina, mais... Il me semble qu'il y a quelqu'un qui va parler de Giratina. Ou alors, je sais plus, c'est plus tard. Non. Non. Oula, apparemment, il fallait que je parle à... C'était il y a 3 mois. Je voulais vous voir le professeur
professeur. Quoi? J'ai dit quoi? Prenez pour tenter d'en savoir plus sur d'où Cosmog. Mais je me suis perdu en chemin et j'ai fini par tomber d'épuisement sur le passage. Sur la plage. Sur le passage. C'est là que le professeur Papanel m'a recueilli et m'a écouté. Elle a écouté mon histoire jusqu'au bout, malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé avec son mari, le professeur Forbes, de me loger et de m'aider à percer les mystères de lui. Bon. Ouais, bon voilà, c'est une deuxième maman, voilà, génial. Vous avez remarqué qu'il y a un truc chelou dans ses cheveux? Bon, moi, je vais foncer au tunnel Topeaker. Ce sont des Topeaker qui l'ont creusé, non? Ouais, d'accord. C'était vraiment très intéressant. Oui, génial. Si les ultra-chimères existent vraiment, je me demande bien de quel genre de capacité elles peuvent avoir. Bon, puisque tu as fini avec les trois épreuves, il ne te reste plus qu'à défier la doyenne d'Akala. Un duel contre la frangine d'Alexia. Je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alexia habite à Koni-Koni. À l'autre côté du tunnel Topeaker. Bonne route à toi. Oh, et fais gaffe à la Team Skull, hein. Oui, c'est vrai. Ah, Team Skull. On l'a pas oublié, cette team. Je vais rester pour discuter un peu avec le professeur Proponet. Hein? Moi, je vais foncer au tunnel Topeaker. Ce sont des Topeaker qui l'ont creusé, non? Mais ça va, il va le dire combien de fois? Bon. Rez-de-chaussée. Non, on va rester ici. Ouais, moi aussi, je peux répéter. Donc du coup, on va au tunnel... Eh, mais on va voir Voltali dans cet épisode. Oh! Un trou! On dirait une brèche dans le ciel. Ok. Sid! Tu as réussi les épreuves des trois capitaines? Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser le tunnel Topeaker pour rejoindre Alexia. Pour trouver le tunnel, retourne au centre Pokémon. L'entrée est pas très loin. Mais fais gaffe, c'est assez facile de la rater. Ouvre l'œil et regarde bien les panneaux. Tu te prends pour Lily ou quoi? Pokémon, ville de Pokémon. Tu sais, le mec, il est fou. Toi, t'es qui, bon sang de bonsoir? Tu nous as écoutés. Akala n'a pas moins de 3 Pokémon. Un pour type eau, feu et plante. Okay. Ouais, mais je t'ai à l'œil, toi. Hein. J'étais persuadé qu'il était pas là tout à l'heure. Alors il me semble. Ouais, c'est par là de toute façon. Je ne veux pas Lily. Et on va peut-être enfin faire une nouvelle zone. J'ai pas raté des zones. Ah si, j'ai raté une zone. Je suis bête. J'ai pas fait la zone de la forêt. Tellement pressé. Est-ce qu'on l'a fait? De toute façon, il n'y a pas de Pokémon intéressant. J'ai déjà mis Mantis. On verra. On va faire la cave Topeaker. Et attraper un Topeaker. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu zappé la zone. Oh, c'est pas grave, de toute façon. Si jamais on est dans la merde, ben on va aller dans cette zone. Puis voilà, c'est bon. On aura un autre Pokémon de plante. Et on en est dans le tunnel Topeaker. Point d'interrogation. Oh, Alexia! Chaleur. Oh, mais c'est Sid! Quel bon vent t'amène! Le vent arrière! Moi aussi je fais des blagues à la forme. Bon, ce tunnel, c'est pas de la rigolade. Sans rire, je n'ai jamais vu autant de Topeaker réunis à mon. Par contre, des dresseurs trop confiants qui ressortent en larmes. Ok. Enfin, comment avance ton tour des îles? Fais voir un peu tes cristaux. Hein. Alors, comme ça, tu as réussi l'épreuve de Barbara, chapeau bas, Sid. Tu devrais. Donc être assez fort pour traverser le tunnel et en sortir en un seul morceau. Je tiens boutique à Koni-Koni, de l'autre côté du tunnel. On se trouve là-bas. Hein. Ouais, là, on pourra avoir la pierre foudre pour Voltali. Oh, j'ai hâte. Bon. Pokémon de zone, c'est parti, un Topeaker. Génial. C'est pas Topeaker. Ah oui, mais de toute façon, lui, on l'a déjà eu. D'accord, si, c'est bon. C'est un doublon. Quoi que, j'aimerais bien avoir un instant fort. Non, c'est un doublon. Là, on n'a pas le droit de fuir. J'ai failli fuir. Il est passé une porte malheur, c'est un truc de ouf. Allez, bluff. C'est toi la faute. Parce que
qu'il appelle pas l'aide, c'est bon. Ok. Donc comme vous avez vu, j'ai pas changé de team, hein. J'ai juste changé de Pokémon en proposition. Je vais mettre un peu Magmar un peu de côté parce que. Vous avez vu comment je marche? Bref. Parce qu'il est un peu trop haut level, je crois, du niveau 30-31, je crois. Par rapport aux autres, et j'aimerais bien faire avancer les autres, surtout Mimantis, j'aimerais bien qu'il évolue. Par contre, c'est un petit là, t'es chiant. Mais il a pas été bluffé? D'accord. C'est bien. Ouais, c'est bizarre, bluff, ça a pas marché pour l'autre, je crois, en plus. Bon. Ok, d'accord. Très bien. C'est comme ça. Allez, un Pokémon, allez, un bon. Allez, le Topicœur, allez, s'il te plaît. Ah, oh, sérieux, là, c'est une tunnel Topicœur, ça? C'est une tunnel Nocerati, ouais? Sérieux? Oh, merde! Il y a la PS4 qui s'allume, en fait. Et ma basket, elle a un problème, c'est un truc de ouf. C'est genre, à un moment donné, elle s'éteint, s'allume, elle fait ce qu'elle veut, ma PS4, c'est un truc de ouf. On va refaire bluff, ça va pas marcher, je crois. Il se fait pas bluffer, de ça, petit. Ouais, c'est bizarre, ça. Il a peut-être un talent. Allez, feinte. Bon, je vous rappelle que je peux apprendre Nécété maintenant. Que je peux utiliser des potions. Je peux laisser mon Pokémon évoluer, bien sûr. Et je peux avoir plus de 3 Pokémon. Voilà, aux insos. Voilà où on est dans les règles. Ah, le Topicœur, voilà. Ça. Dans les prochaines grottes, sur le Topicœur, ben c'est pas. Bon, il faut déjà qu'on capture. Donc je vais utiliser une Rapid Ball. Et voilà. Et je sais comment je vais l'appeler, tiens. Voilà. Alors. Ça, surnom, ouais. Alors, on va l'appeler. Gris de Nice. Voilà. Gris de Nice, voilà, parce que à la fin quand même évolué, bah, Topicœur on va pas l'utiliser. Hein, je vous dis. Alors on va le garder quand même. Alors roche, seul acier, pardon. Et seul acier. Il a une baisse d'attaque SP et une hausse de défense. Je crois qu'il est physique de toute façon. Et de bonnes attaques. Bon, elle est pas mal, hein. Ouais, elle est pas trop mal. Bon. Vol sable, c'est quoi déjà ça? Augmente l'esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable. Ah oui, c'est vrai. Bon. Ça peut être pas mal, ça. On va mettre au PC. Après, on va mettre des repousses parce que ça va me saouler. Je sens. Et puis on se retrouve tout de suite. Bien, on se retrouve dans la grotte. J'ai mis une repousse. J'ai pris Evoli aussi. Ça, hop. Pas besoin d'aller au PC et tout ça. Je sens en toi une grande force. Tu utilises la force Z, je sais. Ah oui, faut que j'affronte tout le monde pour l'affronter, mais je vais pas le faire. Pour avancer au maximum. Un truc. Alors là, on est Tauros. Pierre-feu! Ah, on peut avoir Pyroli, tu vois. Non.
Ah oui, j'ai mis une repousse, pas une super repousse. Hein. C'est vrai que je vais me dire, mais attends, c'est chelou. Là. Ouf! Les choses avancent enfin depuis qu'Elixir est aux commandes. Allô là! Nous sommes membres de la Fondation Ether. Nous ouvrons à la sauvegarde des Pokémon. Comme tu peux le voir, les Topiqueurs sont étrangement agités ces derniers temps. Nous soupçonnons un coup de la Team Skull. Ça ne m'étonnerait pas de leur part. Ces voyous prennent le plaisir à importuner les Pokémon, sans parler des honnêtes gens. Les Topiqueurs se déplacent à travers un réseau de tunnels qu'ils ont creusé pendant plusieurs années. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer de les emprunter sans se faire constamment houspiller par d'autres Pokémon. Il reste encore beaucoup de Topiqueurs agités par ici. Fais attention à toi. Oui, alors je fais une voix comme ça pour la... Putain, la PS4 encore. Oui, alors je fais une voix bizarre, chelou. Parce qu'ils parlent comme ça, je suis désolé, avec la musique, ça fait trop... je sais pas, la musique de centre commercial. Bon, après, je sais pas. Hop, on va éviter ça, voilà. Là, il faut force. Et un dresseur. Bien. Attaque tunnel. Oh, doucement, on n'a pas encore donné... J'ai pas encore mis mon Pokémon en prendre, c'est sûr. Tranquille, hein. Hein, moi, bleu récolteur. Ah non, Oscar l'ouvrier. Oscar l'ouvrier, l'ouvrier nodulite. Ok, très bien. Très, très bien. Après, perso, je sais pas si je vais le garder. Perso, un bluff. Armure rouillée. Ah bah lui il a pas fermé. Même pas sa défense, c'est con. Quand il augmente sa vitesse, c'est plus rapide que le chat. Non. Ok. Ouais bof. Allez, fin de ça, échoue jamais de toute façon. Le chat est toujours plus rapide. C'est nul son talent hein. Sur lui, en tout cas, c'est nul. Ah, petit boudet. On va changer. Hop. Exileog. Patience. Ah. De toute façon, vibre à quoi ça va, le one-shot. Enfin, j'espère. T'as intérêt à la one shot en fait. T'as intérêt à la one shot. Ok, c'est la one shot. Et on a battu l'ouvrier. Ah la honte. Laisse-moi me cacher au fond du tunnel. Oui, t'as pas attaqué le tunnel en plus. Ah le menteur là, il me fait attaque tunnel, il n'a pas attaqué le tunnel. Bien. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins de fraîche en première position. Parce que j'ai bien envie qu'il évolue. Je crois qu'il évolue dans les niveaux 30. Je sais pas quel niveau. Mais j'ai bien envie. Avant les pauses, ça serait ça. Ok, repousse. Eh oui, je suis là, mon gars. Il est comme ça. Alors que je suis juste là, là. Bon. Mon chantier n'avance toujours pas. Ras de bol. Carl l'ouvrier. Ok, Monte Fraîche va attaquer l'âme feuille. Je pense que j'ai de bons niveaux pour la... Je sais pas quel niveau elle a, doit être dans le niveau 30. J'ai même pas regardé le niveau de Flormoto. Ok, 22 PV je crois. Ouais. Enfin, Fabata, ça n'est pas mal. Hein. L'animation. J'ai pas regardé le niveau de Floramantis dans l'épreuve. Je sais pas quel niveau elle peut être. Au niveau 29, je dirais. Quoique, c'est peut-être faible. Hein. Niveau 32 maximum, je crois. Bodyguard.
Ok, là il y a un petit passage là. Ok, je suis redescendu. Sombre Ball. Ah, puis il y a déjà 20 minutes de vidéo là. Faut que je fasse vite en fait. Combattre, creuser des tunnels, même combat. Et en parlant de combat, on garde. On va sortir de. Oh, 20 minutes de vidéo déjà? Ça, c'est les blablas du début, ça. Il ne sera-t-il? Top Picker. Et l'âme feuille, ça doit le tuer. Ah, quoique, il est acier maintenant. Ampleur 7. Ok. Ah, c'est vrai qu'il est acier maintenant. Oh, mais ça l'a tué quand même. Ouh, il a pris cher. Il donne pas beaucoup. Hein, par contre, les. J'ai un peu trop levé. Bah, ça veut dire que. Bon, je sais pas. On va soigner encore. Ouais, je vais faire durer un peu l'épisode quand même. Parce que je suis sympa. Hein. Super potion. Voilà. Et on tourne en rond. Allez, go. Au moins, on sort de la grotte. Puis après, comme ça, on terminera l'épisode. Ah bah voilà, c'est la tipscale. Ah ça craint! On était là, glandé, puis tout à coup les topiqueurs ont surgi de nulle part! Et nous ont mis la pâtée! C'est vraiment la honte pour des brutasses comme nous de se faire brutaliser comme ça! J'ai grave le seum! Ça donne envie de me combattre hein, le premier nasseur qui passe! Désolé pour toi, mais tu débarques au mauvais moment, au mauvais endroit! Oui, Sid! Ah, j'ai cru que tu t'es fait de nouveaux amis, mais c'est juste la Team Skull. Comment ça que la Team Skull? Ce manque de respect, j'hallucine! Vous êtes allé trop loin, les mioches. Ok. La Team Skull. Ta-da, 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 ta-da. Ah, c'est un combat duo. Cool. Tritox et Mimantis. Ok. Oh, Pikachu. Alors, on va peut-être pas rester avec le Tritox. Hein. Je vais pas faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer les Zilog. Si je peux résister aux deux. Vive attaque. Ouais, super. Franchement, il n'y avait pas mieux comme attaque. Non, il va pas besoin de ça. Croissance, ok. On va d'abord kill le Mimantis parce que. Ah, ça touche les deux. Parfait. Parce que je pense que c'est lui le plus dangereux. Ok, Mimantis KO. Et on va faire vivre à quoi ce Tritox. Ah, c'est bon. Oh bah, boum, boum, boum. On n'était pas en forme. On vous a apprendra le respect une autre fois, hein. Ouais, faut pas nous prendre à la légère, hein. Dans la Team Skull, on est tous grave vénères. Salut, à la prochaine, hein. Hein. Sid, c'était sympa d'être du même côté pour une fois. Mon équipe était en pleine confiance avec toi. Tu dois avoir une aura ou un truc comme ça. Tiens, histoire de fêter notre victoire. Ah, pas de rappel. Je croyais que c'était de rappel. Oui, Max, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Donne-moi des huiles. Plein d'huiles. Que je fasse mes frites, des... Enfin, voilà.
Allez, retournons jouer avec une... Non, 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 moi je me casse de cette grotte. Hop. Voilà. Et on va s'arrêter là sur la route 9, c'est une nouvelle zone en plus. Ouais, mais on va s'arrêter là. On fera la zone dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode aussi, on aura le Voltali, enfin, niveau 1. Bon, niveau 1, le temps de le mettre niveau 30, ça va être chaud. Il est très long. Mais on aura notre compagnon, enfin, au bout de 18 épisodes. Je sens cet épisode 18 là. Je sens, là, comme ça, hein, je sens. Bon, bref. Sur ce, merci d'avoir regardé. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve sur le prochain épisode. Ciao, bye les gens!